4月4号至7号，欧洲卫视双语快讯开通特别节目，关注法国总统马克龙访华行程。欧洲卫视首席特派记者陈晨进行全程跟踪报道。Du 4 au 7 avril, un numéro spécial est consacré à la visite en Chine du président français avec notre envoyé spécial Sylvie Chen。在法国驻华大使馆，欧洲卫视首席特派记者陈晨采访了法国文化部长利马·阿布杜尔·马拉克。À l'ambassade de France en Chine, notre envoyé spécial Sylvie Chen a interviewé Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. C'est un discours d'encouragement, d'ambition, de relance de la relation franco-chinoise. Et moi, en tant que ministre de la Culture, j'ai été évidemment très sensible à ce qu'il a dit sur les relations humaines qui sont très importantes à construire, à nourrir, à développer entre les artistes, les professionnels de la culture, les musées, les institutions culturelles. C'est pour ça que je suis venue avec une délégation assez importante, des artistes français comme Jean-Michel Jarre, chinois vivant en France comme Yan Peiming, des directeurs d'institutions comme Versailles, comme le musée Rodin, comme le Mobilier National et d'autres, le musée Guimet, etc. Donc on a ici un potentiel aujourd'hui de reconnecter avec les partenaires culturels chinois, avec la scène artistique, dans l'espoir aussi, plus tard, de pouvoir relancer le tourisme chinois en France, parce que nos institutions culturelles, notre gastronomie, notre art de vivre à la française est très attractif, on le sait, pour les touristes venant de Chine. On aimerait aussi pouvoir relancer ce tourisme petit à petit, post-pandémie, mais surtout ici, construire des relations à long terme, pour développer des projets, pour connecter nos artistes. Parce que quand on parle de la culture et de l'art, on parle aussi des imaginaires, on parle de ce qui nous dépasse un peu et de ce qui nous relie en tant que société, ce qui relie nos jeunesses, ce qui relie nos imaginaires. Donc moi, j'ai beaucoup entendu aussi un encouragement de la part du président à aller plus loin dans la coopération culturelle et ça me réjouit. C'est mon premier voyage, ce sont mes premières heures ici à Pékin, à Beijing. Je suis absolument émue parce que j'ai lu énormément sur la Chine, littérature, poésie, je connais des artistes chinois en France, c'est une c'est un pays continent, c'est un pays de rêve et de puissance culturelle et ça m'intéresse vraiment de plonger à la fois dans cette civilisation, dans cette histoire, mais aussi dans la création contemporaine aujourd'hui, comment les artistes d'aujourd'hui, y compris les jeunes, notamment les jeunes, se saisissent des enjeux du monde et en font des formes artistiques nouvelles. Ça m'intéresse énormément. 欧洲卫视的首席特派记者陈晨还采访了凡尔赛宫主席凯瑟琳·佩加尔。Notre envoyé spécial Sylvie Chen a également interviewé Catherine Pégard, présidente du château de Versailles. Pour nous, c'est une visite extrêmement importante puisqu'elle nous permet de poursuivre cette longue conversation que le château de Versailles entretient avec la Chine à travers toute son histoire, toute l'histoire des relations entre la France et la Chine. Et nous avions élaboré le projet d'exposer à la Cité interdite les chefs-d'œuvre de Versailles qui montrent l'influence de la Chine à Versailles au XVIIIe siècle. Ce projet était né au moment du dernier voyage du président de la République en 2019. Et malheureusement, la pandémie nous a empêchés de le concrétiser plus tôt. Mais nous avons poursuivi pendant toutes ces années nos entretiens avec nos homologues de la Cité interdite et ainsi nous allons pouvoir enfin présenter à la Chine l'influence qu'elle a eue sur notre pays dès le XVIIIe siècle, au temps des rois, au château de Versailles, mais aussi à travers toute l'Europe, puisque, comme vous le savez, le Versailles était à ce moment le centre de l'Europe et rayonnait un peu sur le monde et évidemment le lien que la France pouvait avoir développé avec la Chine se retrouvait un petit peu partout dans ce que nous pouvions montrer de nous-mêmes à Versailles. Et donc cette exposition sera extrêmement importante. Elle se tiendra en 2024, d'avril en juin, c'est-à-dire au moment où nous célébrerons la reconnaissance du 60e anniversaire de la Chine par le général de Gaulle. Et ce sera un moment très important aussi pour le château de Versailles parce que, comme vous ne le savez peut-être pas, le général de Gaulle avait voulu que le château de Versailles reste la résidence présidentielle où l'on accueillait les hôtes étrangers et on continue à le faire. Le président Xi est venu en 2014 à Versailles et j'espère qu'il pourra revenir quand cette exposition aura été montrée ici en Chine.
Nous allons signer avec mon homologue de la Cité interdite cette exposition qui débutera donc en avril 2024 et jusqu'en juin, fin juin 2024. Et j'espère qu'elle sera aussi l'occasion de montrer d'autres choses de Versailles, peut-être la musique, peut-être des ballets, en tous les cas montrer ce que notre culture peut apporter à la culture chinoise. Ce sont deux vieux pays qui dialoguent et la culture est un élément très important de ce dialogue pour nous.